sais pourquoi t'es là quand même. Ouais, j'ai une petite idée, oui. Pourquoi à ton avis? Parce que je sors un film. Ah! Le 26 octobre. Mon ami le traître. C'est bien, déjà, c'est bien dit. Déjà, je me suis bien dit. Alors imagine, je sais pas, tu me rencontres dans une boîte de nuit un soir, comme ça. Ah, j'ai vu un film super, voilà, hier soir. Voilà. Comment tu me le racontes? Eh bien, je te dis, écoute, d'abord, il y a Caprice qui dedans. Je suis pas là pour parler de mon film, d'abord. Il n'y a pas de caméra. Ouais. Je dis d'abord, il y a Caprice qui dedans. Ouais. Et puis, il y a Thierry Frémont dans le rôle principal. Ouais. Il est bien, ce Thierry Frémont. Il est pas mal du tout. Je t'aide, là. Il est pas mal du tout. Mmh. Et c'est une histoire qu'on n'a jamais traitée au cinéma, figure-toi. Mmh. Ça se passe en 1944, pendant l'épuration. Pourtant, il y a eu des films sur la guerre. Oui, mais pas par sur l'épuration des collabos. Ah, c'est l'époque où on entendait les femmes et tout ça. Ouais, c'était pas très drôle. C'est tendu dans le film? Non, parce que j'ai pas trahi. Mais j'aide quelqu'un qui a trahi à s'en sortir, quelqu'un qui veut se racheter. Mmh. Qui veut se racheter des papiers d'identité, une bonne conscience et un futur, quoi. Mmh. Donc, je suis une femme amoureuse. Vas-y. Qui se sacrifie pour ma carrière. Ouais. Et en fait, bon, c'est pour ça que je l'ai fait. C'est pas un premier rôle, c'est un rôle, si tu veux, un second rôle très intéressant parce que ça me permettait de montrer mon côté tendre, généreux. Moi, je connais très bien, mais courageux, que le grand public ne connaît pas obligatoirement. Le côté qui se sacrifie pour l'âme qu'elle aime, tout ça. Donc, voilà ce que j'en dirais. Puis je dirais, bah, vas-y, quoi, fais-moi confiance. D'accord, bah, je vais le voir, alors. Très bien. C'est un film de qui? Il va être content, le réalisateur, je veux dire. José Giovanni. Il n'y a pas Dussolier dans le film? Oui, il y a Dussolier aussi. Par exemple, si je te dis, est-ce que tu préfères passer une nuit avec un mec que t'aimes à la folie ou une semaine avec un mec que t'aimes moyennement? Bah ça, c'est vraiment une question super con. Alors. Voilà. Tu préfères quoi? Passer même une demi-nuit avec l'homme que j'aime, évidemment. Alors, et si tu étais obligée, je sais pas, un jour, tu es faite prisonnière. Ouais. On te dit, c'est une idée comme ça. Oui, c'est un jeu. Comme ça. Alors, ouais, c'est des questions cons. Alors, tu es faite prisonnière, et puis on te dit, voilà, tu es obligée de faire l'amour avec la personne avec qui on va t'enfermer dans cette cellule. Tu vois la situation, Charbon. Déjà. Est-ce que tu préfères faire l'amour avec une fille ou un mec laid? Alors vraiment, tu me pousses à l'homosexualité, non, là. Non, je sais pas, moi. Il y a des gens qui aiment la clé, hein. Ah ouais. Non, c'est pas trop dans mes fantasmes. Tu préfères la fille. J'ai jamais essayé les filles, mais je crois que si j'étais obligée, je préférerais encore essayer la fille. Définitif. Définitif, oui. Je vais recevoir des lettres, fais gaffe. J'ai pas encore ce public. Alors maintenant, question impossible, à mon sens. Ouais. Mais certaines personnes peuvent y répondre. Est-ce que tu préfères Renault ou Goldman? 1, 2, 3, je sais pas. Il y a un long silence là. Tu arrives pas. J'arrive pas. Mais j'en étais sûr. À mon avis, c'est une question à laquelle peu de gens peuvent répondre. C'est impossible. À part Renault et Goldman. Très dur comme question. Vraiment, je cale. Pour qui tu as le plus de circonstances atténuantes? Enfin, à qui tu trouves le plus de circonstances atténuantes? Un vieux mec qui se tape des petites filles. Il est mal barré. Souvent. Elles font ça pour l'argent. Mmh. Ou alors un jeune mec qui, toujours pour l'argent, tape sur des vieilles. Vraiment, t'as des questions. Con, hein. Alors, t'as bien compris la question. Oui, oui. Bah attends, j'essaie d'imaginer le tableau. Eh bien, lequel préférerais... tu pardonnes le plus? Non, je te demande pas de te mettre dans... Je pardonne aux jeunes. Tu pardonnes aux jeunes qui tapent sur des vieilles? Ouais, parce que s'il fait ça, c'est qu'il est obligé de s'en sortir. Ah bon, ah bon, d'accord. Alors que l'autre, il est pas obligé de payer des petites filles? Non, l'autre, c'est un pervers. Si tu rentres chez toi un soir... avec un garçon, mais c'est pas prévu que tu rentres avec lui, hein. C'est pas ton fiancé habituel, etc. C'est un garçon que t'as rencontré, genre la première question, coup de foudre. Et puis, t'as oublié quelque chose sur ta table de nuit. Un objet assez compromettant. Sur ma table de nuit? Oui, avant. Quoi, il monte chez moi? Oui, tu le ramènes chez toi, enfin, il vient chez toi. Bon. J'ai oublié quoi? Et t'as oublié, qu'est-ce qui te gêne le plus? D'avoir oublié Mein Kampf ou un Godemiché? Ah, c'est terrible. Il n'y a rien sur ma table de nuit. Tu veux pas répondre, là? Alors, vraiment... Qu'est-ce qui te gêne le plus vis-à-vis du mec? Ce mec, t'as envie de te montrer vis-à-vis de lui, si tu veux. Tu veux montrer que t'es une fille bien et tout. Qu'est-ce qui te gêne le plus? Devine. Moi, je crois que c'est Mein Kampf. Ouais, quand même. Hein. Quand même. Parce que je te connais. Bon, deuxièmement, si t'étais amputé d'un membre... Je te dis, voilà, vous allez être obligé. Ça devient de plus en plus triste. C'est tragique. On va être obligé de vous amputer d'un membre. On est obligé, ouais. On est obligé, tu vois, c'est un jeu. Alors lequel? Un bras ou une jambe? Un bras. Ah bon?
Lequel? Le bras droit ou le bras gauche? Le gauche, évidemment, je suis droitière. Et si tu étais maître du monde, tu ferais quoi? Demain matin, en te réveillant, tu deviens maître du monde, enfin maîtresse du monde. Tu fais quoi? C'est une responsabilité énorme. Ah, je deviens maître du monde. Quelle est la première chose que tu fais? Ce serait aider les gens, mais je sais pas comment. Bah, si t'es maître du monde, tu peux faire plein de trucs, mais t'aides qui en premier? J'aide... Tu peux prendre tout l'argent qu'il y a à Fortnite. Je sors tous les prisonniers politiques, déjà. Dans tous les pays? Ouais. Mmh. Dans tous les pays, déjà, il y a du boulot. Il y a beaucoup de boulot, ouais. Et puis ensuite, je taxe... T'augmentes les impôts? Déjà, je taxe. T'augmentes les impôts? Non. Je taxe toutes les denrées alimentaires stockées en surgelé dans le monde entier et je les envoie dans les pays sous-alimentés. Parce qu'il y a des aliments stockés en surgelé qu'on sort pas, tout simplement parce qu'on veut pas que les prix baissent dans l'alimentation, et ça me met hors de moi, alors qu'on envoie des cartons de protéines. C'est... Tu as bon enfant, tu sais. Je suis bonne. Alors donc, t'es maître du monde, tu peux tout changer. Où est-ce que tu mettrais la France sur la carte du monde? Si tu pouvais choisir, tu la mettrais... Sur l'océan. Pacifique. Tu la mettrais... Ça serait une île de l'océan Pacifique. Ça serait sympathique. Ça serait une grande Polynésie, quoi. Grand Haïti. Entre les palmiers, tout ouais. Et Paris, tu le mettrais où par rapport à ça? Ben, Paris est bien situé. Ça te va? Ouais. Tu mettrais pas à Cannes, par hasard? Ben, non. Non, je trouve que Paris est bien situé. Dernière question, con. Je te dis, la bombe arrive dans 5 minutes. Ah, la bombe atomique? Ouais, elle va tomber sur Paris, pile. Sur la Concorde. Qu'est-ce que tu fais dans les 5 dernières minutes? Tu peux tout dire. Je peux tout dire, je sais pas. Écoute, si mon fiancé est à proximité, je me jette dans ses bras. Elles disent toutes ça, les filles, c'est dingue. Bah ouais, c'est l'amour. On a du pot, les mecs, quand même. Mais je crois qu'un mec, il réagirait de la même façon. Mais je crois que c'est... Dans un moment pareil, on a besoin surtout de se sentir... De pas se sentir seul, quoi. Tu te colles contre lui et t'attends que ça tombe. Ouais. Tu fais pas une prière, par hasard? Non. Pour l'au-delà? Ouais. C'est pas mon genre. T'es sûr d'aller au ciel? Ouf, je sais pas du tout où est-ce qu'on va. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditude, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.